Alors ici, on peut voir une croix, la date 15 septembre 1914. Here lies Sergeant Smith and three gunners de la 29e batterie du Royal Field Artillery. Ces artilleurs sont portés disparus. On peut supposer que ces hommes soient toujours là, sous nos pieds. Aux alentours de cette fosse probable, il y a une multitude de trous, de creusements. Le terrain est complètement retourné par endroits qui sont l'œuvre de clandestins, de pilleurs mal intentionnés. Et il y avait un véritable danger et une urgence qui nous amène aujourd'hui à vérifier s'il y a ou non la présence de corps britanniques dans cette fosse. Si ça continue comme ça, on a presque une journée de terrasse. Hein. Ouais, je sais bien. On va ramasser tous les petits os. Moi, à mon avis, les corps sont pas là. Bah, ouais. On arrive sur le fond. Hein. Il y avait une fosse, effectivement, au pied de l'épitaphe. Il y avait des restes humains au fond de cette fosse, comme le prouve la quinzaine d'ossements humains qui ont été découverts, qui incite à penser qu'il y a eu exhumation des corps, probablement à la fin de la guerre, dans les années 20. En revanche, une autre porte s'ouvre de réflexion, c'est-à-dire comment allons-nous documenter l'histoire de ce sergent Smith et de ces trois gunners qui l'accompagnaient? Qui sont-ils véritablement? Ils sont morts dans l'oubli, donc on va essayer d'aller maintenant un petit peu à leur recherche, sur leurs traces.